Les marchés entrent de nouveau dans une zone de turbulence, comme en atteste la forte volatilité observée au cours des dernières séances. Une situation normale, alors que le CAC 40 s'est adjugé plus de 30% depuis un an, qu'il n'y a rien de nouveau sur le front économique, et que l'euphorie semblait guetter certains investisseurs. La crise grecque qui n'en finit pas, l'affaire Goldman Sachs aux États-Unis et les cendres du volcan islandais ont constitué autant de motifs pour des prises de bénéfices massives. Il n'y a là, pour l'heure, rien d'alarmant, bien au contraire. Plus d'une dizaine de valeurs du CAC 40 affichent des gains supérieurs à 50% sur un an, et certains titres tutoient même leur plus haut niveau historique. Du coup, certaines valorisations apparaissent tendues, il ne faut donc pas hésiter à prendre des bénéfices. La correction actuelle ne devrait pas durer, il faut simplement se montrer sélectif et prudent dans le choix de ces valeurs.